Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on réalise une page déstructurée, assortie à la page que j'ai réalisée lors de la vidéo précédente. Donc je suis partie sur un format plutôt de bande, je vous mettrai les mesures dans le descriptif, avec du coup une bande photo style un peu photo d'identité. Donc j'utilise toujours le papier argenté comme fil conducteur, que je réalise du coup avec le dye grand papillon. Je le coupe en deux pour mettre un morceau de papillon de chaque côté. Et ensuite, je vais travailler mon fond de page avec ce tampon feuillage fragile. Je rajoute des fleurs que je détourne dans le papier bleu pan. Le fond étant un peu nu, je rajoute une petite étiquette style ethnique qui faisait partie de la collection Arizona et je vais le faire une deuxième fois dans le papier bleu pan pour récupérer uniquement la partie frise. Je rajoute une étiquette texte de la collection Herbarium. Je la réalise deux fois pour pouvoir la mater sur le papier orange pour apporter du relief. Thank you.
Ensuite, je rajoute du texte de fond. Enfin, je colle l'ensemble en mettant ma bande orange avec ma photo en 3D pour apporter davantage de relief. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et YouTube. À bientôt !